Good morning, Aleiden. Les tutors aujourd'hui, le Lunishmat Amram, Yona, Ben Chana, Peggy Bat Esther, Zora, Ben Mazal Tov, Shishporti, Shmirel, Novikov, Shalom, Ben Chbiba. Il y a aussi des fois, Trout Bat Glodin, Traina, et Simcha Bat Masoudi, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma séchette et Bouyot, Père Kalef, Mishnah, hey. Et la maman, ce qui est de Divra, Yachid, Ben Amerubin, Oil, Ben Alachaina, qui Divra Amerubin, Shemire Bet Din, et Divra Yachid. ויסמוך עליו שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין היה גדול ממנו בחוכמה אבל לא במניין במניין אבל לא בחוכמה אינו יכול לבטל דבריו עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. On continue sur le même principe de la Mishnah précédente en expliquant pourquoi on rencontre dans la Mishnah des avis qui discutent pourquoi la Mishnah n'a pas été présentée sous forme de halakha. Alors dans la Mishnah précédente, on a certes expliqué pourquoi il a fallu mentionner les avis de Hillel et Shammai pour t'apprendre que même les grands maîtres de la génération eux-mêmes se pliaient sur les décisions de la majorité du Bet Din. Eux ou leurs élèves, on n'est pas entré dans le sujet. Maintenant, notre Mishnah vient et pose une question générale à toutes les autres Mishnayot. C'est vrai, tu m'as dit pour Hillel et Shammai, je comprends pourquoi il a fallu les enseigner. Mais, Velama Maskirin Divra Yachid Ben Amerubin, pourquoi des fois tu mentionnes dans la Mishnah l'avis d'un particulier contre un Merubin, contre un grand nombre? On va voir Chachamim Omrim et Rabbi Meir Omer. Rabbi Yossi Omer tout seul contre Chachamim. Chachamim, ça implique tous les Rabbanim et Rabbi Meir, c'est un. Alors pourquoi cette fois-ci il a fallu. Pourquoi dans ce type de Mishnah tu as besoin de m'enseigner cet avis du Yachid? Ouais, Hoil ven alacha la kedivra amerubin, l'alacha toujours sera établi comme la voix de la majorité. Pour t'apprendre quelque chose que Sheim ire bet din et divra yachid veismoch alav, afin que, il y en a qui disent qu'il faut lire, enlever le vav de veismoch alav et dire ça en ismoch alav. C'est le principe elle-même, puisque la phrase elle est grammaticalement moins bonne. En tout cas, afin que Sheim ire bet din, que si le bet din voit et divra yachid, justifie, atteste l'avis du particulier, eh bien, le réveil de dire qu'il faut dire Ismor Halav, il pourra se fonder sur lui. Soit, c'est vrai, tu m'as rapporté l'avis de Chachamim contre Rabbi Meir sur un détail de Halacha, et donc l'Halacha va m'établir qu'Halacha de suivre l'avis de Chachamim. Eh bien, malgré tout, si la génération suivante, on va se retrouver avec un Bet Din qui va mieux comprendre l'avis de Rabbi Meir plutôt que l'avis de Chachamim, eh ben on va changer la donne, et on va dire que l'alakhal va être établi comme Chachamim. Tel était l'intérêt dans la Mishnah de m'enseigner l'avis du Yachid, du particulier, du Rav individuel, tout seul, qui était contre tout le monde, pour t'apprendre que malgré tout ça, que ce qu'il a dit, il y a une grande logique, qui n'est pas retenue d'un point de vue halakhique, mais ça laisse la porte ouverte aux générations à venir, si toutefois ils veulent finalement saisir cet avis en tant qu'avis maître, et faire établir l'alakha selon lui. D'accord, on apportera bien sûr une précision très importante. Est-ce que nous, on aurait le droit, à notre époque, de discuter sur la Mishnah ou sur la Gemara? On l'expliquera à la fin de la Mishnah en voyant le partenaire de Bezat Hashem. D'accord? Donc, Sheimir Bet Din et Divra Yachid Beismor Halav, si le Bet Din voit juste l'avis du particulier, ben Ismor Halav, il pourra se fonder sur lui. Sheen Bet Din, mais attention, il nous précise maintenant les conditions. Sheen Bet Din Yachol Levatel Divra Bet Din Chavero. Car un Bet Din n'a la capacité d'annuler ce qui a été prononcé par un autre Bet Din semblable, Bet Din Chavero, un Bet Din, son ami, c'est-à-dire de même niveau, Ad Sheyeh Gadol Mimenu Bechokhma ou Baminyan. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu deux Bet Dinim, un Bet Din de la génération des années de Shnat Tav Shin Nun, et après le Bet Din il a succédé, on est maintenant en Tav Shin Ain. Aïn Zain. Alors, si le nouveau Bet Din maintenant qui se lève est plus grand en Minyan et en Chochma, soit le Rosh Yeshiva, le Av Bet Din, qui dirige maintenant ce Bet Din, on ne parle pas d'un Bet Din particulier dans deux quartiers, on parle du Bet Din là où siègent les Chachmé Israël, Aïn Echad, où il y avait 71. Alors, s'ils vont voir maintenant que, au contraire, la génération qui arrive ensuite
pense que la halakha, il faut la réviser et établir la halakha comme ce qui a été évoqué comme Rabbi Meir. Ils pourront le faire si le Av Bet Din est plus grand, Bechokhma, il est plus sage, il est beaucoup plus aiguisé dans la Gemara, dans les Mishnayot et dans la Gemara, que le Av Bet Din du précédent. Et en plus de ça, Baminyan, jusqu'à qu'il y ait à présent plus de, un plus grand nombre. Question, un plus grand nombre de quoi? Si c'est du Bet Din, ça ne peut pas être du Bet Din. Le Bet Din, il y a 71, juste au, 71 juges au grand Sanhedrin et pas un seul de plus. Alors c'est quoi qu'il est plus grand, Baminyan? C'est quand on était dans Yeshiva, il y a encore plus de Talmidim. Soit il est plus grand à la fois dans la quantité que dans la quantité, donc il est plus, il a plus de Siyata d'Ishmaïa, d'être du ciel dans son étude de la Torah, et on pourra se fonder sur le fait qu'il va revenir et réviser et trancher la halakha comme la vie du particulier qu'il y avait. Par contre, Hayagadol Mimeno Bechokhma, s'il était plus grand que le précédent en Chokhma, il était beaucoup plus aiguisé, le nouveau Rav, mais Aval Lo Baminyan, mais il n'y avait pas la même quantité. Le Rav précédent, lui, il avait des milliers de Talmidim. Et l'autre, le second, il n'a que des centaines de Talmidim. Alors, ou encore, Baminyan, Avalo, Baminyan, Bechokhma. À plus forte raison même, s'il avait beaucoup plus de disciples, mais beaucoup moins, il était beaucoup moins aiguisé et clair dans ses souliotes de Mishnah et de Gemara. Alors, Enoya Chol, Levatel et Devarav. Il n'aura plus la capacité d'annuler les paroles du Bet Din précédent. Achei Gadol, Mimenu, Bechokhma, ou Baminyan. Jusqu'à donc que le nouveau Bet Din de la nouvelle génération soit plus grand en quantité et en sagesse. Bechokhma dans la sagesse, c'est-à-dire que le Bet Din connaisse mieux, et même Beminyan qui est plus de Talmidim, de disciples. D'accord ? On fait directement le Bar Tanoura et au fur et à mesure on va introduire des notions du rapportées par le Tosot Yom Tov. Vismoch alav, il se fondera sur lui, Klomar, Chassa, Kedira, Yachid, Veniar, Dat, Rabim. Que s'il est en droit de faire comme les paroles du particulier, faire comme le Rabim. Et ne pas faire comme le rabbin, c'est-à-dire délaisser la vie du rabbin, du public, du plus. Ouais, du grand nombre de rabbins. En bet din, c'est ce qu'on a vu, que en bet din acher, il n'y a pas de bet din autre, chez Yahamod acharav, yachol levatel divot bet din arishon chassak et divot yachidon. Il n'y aura pas de bet din qui le succédera, qui pourra supprimer les paroles, achi gadol mimnu bechokhma ou beminyan, puisqu'il soit plus grand en sagesse et en quantité, c'est-à-dire bechokhma. C'est-à-dire, quand je te dis en Chokhma qu'il soit beaucoup plus sage, c'est que le Av Bet Din connaisse beaucoup mieux, soit beaucoup plus à l'aise dans son étude de Gemara que le précédent. Et même Beminyan, chez Yu, Minan Talmidim, chez Bayeshiva, chez Al-Acharon, Merubim, Minan Talmidim, chez Bayeshiva, chez Rishon. Qu'il ait plus de disciples dans la deuxième Yeshiva, dans la nouvelle Yeshiva quoi, qui s'est levée. Plus que dans la yeshiva du Rav précédent qui était décédé. Le Rambam précise une donnée super importante, c'est que tout ce qu'on a dit, que le Bet Din, soit, je reprends le Din qui est marqué dans la Mishnah, si un Bet Din d'une génération Tafshin Nun se prononce, le nouveau Bet Din de Tafshin Ain Vav Zain va pouvoir maintenant dire que non, ce que le Bet Din a prononcé il y a 25 ans, je l'annule. Alors, pour qu'il puisse l'annuler, le nouveau Bet Din, il doit être nécessairement plus aiguisé et en plus grand nombre, soit qu'il y ait plus de disciples chez ce Rav. Le Rambam précise que ça a été dit uniquement pour annuler les décrets du Bet Din précédent. Le Bet Din précédent a décrété tel ou tel interdit. Alors, le nouveau Bet Din voit qu'il n'y a plus l'utilité de perpétuer cet interdit. Il va vouloir l'annuler, alors il pourra le faire que si les conditions sont remplies. Par contre, soit qu'il soit plus grande quantité et beaucoup plus sage. Chacham. Maintenant. Si toutefois il s'agit d'interpréter la Torah, de comprendre à quoi comparer le statut de l'électricité selon la Torah. Alors le premier Bet Din des années 50, lui, il a tranché qu'il fallait le comparer à Esh. Et le nouveau Bet Din a dit non, ça n'a pas de rapport avec Esh, il faudrait plus interdire à cause de Bonnet. Alors là, puisque ça ne dépend plus maintenant des décrets du Bet Din précédent, mais de comment comprendre la Torah, le Rambam donne une règle très importante en nous disant En la Dayan et la Mashen Avrohot. Le juge n'a que ce qu'il voit devant les yeux. Soit on va se concerter nous, et on ne va pas se plier à ce que la génération précédente disait. On va réfléchir de nous-mêmes, analyser la situation, et trancher qu'est-ce que l'on pense. D'accord ? Ça c'était un point important. Ah, et un autre point aussi très important à poser ici dans le Tosot Yom Tov, bien sûr, c'est que, à la fin de chaque génération charnière, chaque tournant important dans le sens de la Torah, alors on a pris sur nous d'accepter les paroles de la génération, c'est-à-dire du, pas la génération 20 ans, mais c'est-à-dire comme il y a plusieurs générations importantes qui se sont succédées, il y a eu les Rishonim, il y a eu la Mishnah, la Gemara,
les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, les Gdolé Aposkim, il y a plusieurs. Alors, chaque génération prend sur elle de ne plus discuter ce qui est trop, de ne plus discuter contre les générations précédentes, même quand on parle de compréhension de Torah. Soit, si aujourd'hui on va instaurer un Bet Din qui ne va plus comprendre tel Mishnah, va préférer trancher autrement. Eh bien, on ne sera plus en droit de le faire. Parce que depuis qu'on a bouclé la Mishnah, on a accepté que tout ce qui a été dit dans la Mishnah, c'est la Torah nette, on la suit. Idem avec la clôture de la Gemara, et je suppose que ce sera la même chose avec la clôture du Shulchan Aruch, particulièrement pour les Sfaradim, que Kiblou Raot Maran, pour les Ashkenazim, c'est un peu plus à la fois le Shulchan Aruch, à la fois le Rama. Mais en tout cas, dès qu'on a pris sur nous une nouvelle génération en acceptant pleinement les paroles de la génération précédente, on n'a plus le droit de discuter, c'est rapporté ici dans le Kesef Mishneh. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov U'Salam.